Mercredi 9 septembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à la une des journaux sur Océan Online. On va démarrer cette une avec notre quotidien d'information, Le Matinal, qui a titré en manchette aujourd'hui restitution des biens culturels du Bénin. La France enclenche la procédure législative. Et puis un an après sa mise en exploitation commerciale, Maria Gleta 1 comble 60% du déficit énergétique. En fin de mission au Bénin, le coordonnateur du SNU loue les changements positifs en cours. Le journal Le Matinal est disponible en téléchargement sur www.groupelematinal.com. Place maintenant à Emergence Info qui a titré à sa une également « Restitution des biens culturels pillés au Bénin, la loi de rétrocession introduite au Parlement ». Français. Et puis rentrée solennelle des apprenants du cycle C et B du CEFAL, 104 agents communaux formés par Christian Couton et son équipe. Carte d'identité biométrique, les Béninois vivant au Nigeria reçoivent déjà leur carte. Le Télégramme à présent, le Télégramme a titré à sa une activité politique du bloc républicain. L'honorable Robert Bihan remobilise, galvanise et organise sa troupe. Recrutement militaire et policier promotion 2019, les nouveaux recrues face au drapeau national le vendredi prochain. Article à retrouver à la page 2 du Télégramme. Encadrement des dépenses dans l'administration publique, le ministre des Finances actualise le répertoire des prix de référence. Nous sommes maintenant avec le potentiel qui a titré à sa une aujourd'hui, première phase de la restitution des biens culturels, les statues et portes royales qui entrent au Bénin. C'est à retrouver à la page 3 et à la page 4 du journal. Distinction du groupe Ola Corporate Service Sidikou Karimou, un modèle de réussite. Après le message de la présidence interdisant le culte de la personnalité, les agités politiques ont fermé portes et baraques. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis.